Le grand rabbin d'abord a absolument raison. Je ne sais pas si le mot banalisation est le bon mot, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un, un acte antisémite, ça vraiment ça révèle quelque chose de notre comportement social. Mais en Mais tout vous cas, vous voyez aussi euh... que la mobilisation, pardon, Nicole Belloubet, après ces actes n'est plus la même qu'il y a quelques années. Il euh, n'y a plus les marées humaines dans les rues pour dénoncer ça. Écoutez, je ne sais pas s'il y a les marées humaines ou pas. En tout cas, il y a de la part des services de l'État, une volonté vraiment arc-boutée de lutter contre cela. Alors, je le dis avec modestie parce que je ne suis pas en train de dire que tout est réglé. Mais si vous voulez, moi, ce que j'ai demandé euh, au procureur dans la circulaire euh, que je vais signer aujourd'hui, c'est d'une part de mettre en place euh, dans chaque parquet euh, des dispositifs qui nous permettent de mieux saisir les plaintes, euh, de mieux avoir une attitude spécifique face à la force probante d'un certain nombre de faits, parce qu'on ne traite pas les plaintes antisémites. Ou euh, de la même manière qu'une autre plainte. Mais Donc ça, jusqu'à a... présent, Nicolas les, les procureurs Mais ne le savaient pas. Il est important, je n'ai pas dit qu'ils ne le savaient pas, je dis qu'il est important de le rassembler dans un seul texte pour bien montrer la volonté dont nous disposons.